Discord. Allez, yo, du coup, les gens, on est parti pour une petite game de TFT, tranquillou, Péperoum. Tu aurais menti dans le titre, ouais, un peu. C'est vrai que des fois je mens dans le titre, des fois j'annonce des marathons jusqu'à Challenger, alors que bon, vu que faut quand même beaucoup de temps pour monter, bon. Bon, allez, là, je vais essayer de tout vous expliquer, comme ça me permet de me focus parce que là, je suis un peu fatigué. Donc, bon, on va faire une petite vidéo qui explique tout du jeu. Donc voilà. Alors, là on va avoir un gold. Ok. Bon, là on a un chêne. À la limite, le chêne HP, on peut limite le garder. Si on touche genre des trucs intéressants. Je suis retenté de jouer Blade Master, mais je sens que ça va pas passer. Je le sens, je le sais. Parce que là, en vrai, on va rester comme ça. Pourquoi? Parce que là, on peut avoir potentiellement deux golds sur les unités. Et donc, du coup, on va rester comme ça. Parce que peut-être que j'ai pas besoin de vendre mon chêne pour avoir les deux golds. Ça me permet de jouer un éventail encore plus grand. Vu que maintenant, tu peux avoir des golds et tout. Donc, je préférais avoir des items. Hein. Mais. Pardon, ça peut être intéressant de check. Alors, là on a déjà 3. Ouh, j'ai. Ah, fuck quoi, je retombe dans mes travers les plus profonds. Bon, on a 3 Blade Master autour 1,3. Je pense que c'est un signe. Je l'interprète comme un signe. Mais ce n'est pas un signe. Ça va puer. Mais bon, là en vrai j'ai envie de. On va attendre de voir si j'ai des golds, mais j'ai envie d'acheter Lucian. Lucian c'est vraiment une unité très forte. Ou alors j'achète le Z pour potentiellement jouer les ninjas, mais bon, le Z le problème c'est que les ninjas c'est très tard en fait. Hein. Ok. Donc bon, on va voir ce qu'il nous donne. Non mais là, là il y a un moment où. Là, il y a un moment où vous me poussez quand même là. Garen, je pense qu'on va vendre. Est-ce que je fais ça? Une Warmog. Une Warmog, c'est vraiment violent quand même. Hein. Là, on va voir, on va essayer d'acheter la Vayne en vrai. Mais Warmog c'est un bon item. On joue contre quoi? Bon, ça on n'a pas besoin de ce stuff donc on va attendre. Là en gros à tout moment si je vois que je perds je peux changer mes items mais bon. Là normalement je devrais pas perdre contre ça. Donc ça me va. Attends de pouvoir faire Zeke. Ouais non mais je sais donc c'est pour ça on attend. Après là je vise quand même. Ah merde la veine. Ah ok. Ah je me grattais les. Bon. Ouais non mais là là. Attends mais tout le monde fait une Fiora? Ah mais c'est ça le trap. C'est que tout le monde part Blade Master comme moi en fait. Ah ouais Rigno ils sont là en mode ouais t'inquiète vas-y joue ça frère joue ça. Et en fait tout le monde joue comme moi. Ok. Evelyne Godémon. Non. J'ai envie de jouer Lucian. Enfin, en vrai, j'aurais pu jouer Démon aussi. Warmog. Hein. J'ai envie de jouer la win. Ah, ok. Non, non, mais je vais pas jouer Eve. I will not play Eve. Cinq, six, sept, huit.
En vrai, là je devrais gagner sans rien faire. Ok. Du coup, là, on est level 5. Du coup, on va passer noble. Sauf si je touche à la limite un autre truc mieux. Il y a un Aatrox armure, je voudrais bien. J'avoue qu'il me fait de l'œil. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut comme item avec une compo comme ça en vrai? En vrai, il me faut Draven. Draven, c'est quoi? C'est attack speed, RM, AP. On va prendre l'item attack speed, hein, si on l'a. On va prendre l'item RM pour après. Aatrox full stuff. Ouais, c'est vrai que je pourrais full stuff aussi l'Aatrox, mais bon. Go plonk. Yes. On a le bonus noble, en early c'est très fort. Ça on garde, ça on peut vendre. Ok. Jamais on peut prendre les impériaux, même si en vrai c'est quand même compliqué. Hein. On va vendre ça, on peut vendre ça, on garde ça, on garde ça, on peut vendre en vrai, et ça, on garde. Ouais. Vayne s'est éclaté. Ouais, Vayne c'est assez faible comme unité. Fura aussi. Non, Fura ça va. Alors, normalement on devrait. Ah, c'est pas dit en vrai. Parce que Kassadin il va me. Ah, c'est tellement fort cet item. Oh, si, quand même. Cet item est tellement broken parce que déjà ça réduit mes stats de mes champions. Et en plus, genre là il est mort mais il a pas pris tous les dégâts quoi. Et ça c'est un peu broken quand même. Ça doit tellement être galère de jouer en lisant le chat. Ça donne 46 000 directives différentes. Bah, surtout quand le chat il est pas très compétent quoi. Il pack c'est votre cas le chat, mais treize plus 1, 14. On va attendre quand même. Ok. Allez, donne-moi des items pour mon petit futur Draven. Pas d'items, ok. C'est bien, un item à TX Speed, ça rentre.
c'est très bien ça, mais c'est très très bien ça. Mais c'est très 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 bien ça. Mais oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Ok, une Fiora, c'est parfait. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que là on va Pex. Pourquoi on va Pex? Parce que là, il me faut mon Draven. Mon Draven, j'ai plus de chances de l'avoir level 6. Du coup, c'est un bon timing pour Pex. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une nouvelle unité. La nouvelle unité, ça va être Gangplank. En vrai, je suis même pas sûr que ce soit Gangplank. Pourquoi ça va être Elise en vrai? Voilà, Gangplank, il a pas grand chose à apporter. Ah, bah si, Gangplank, il apporte sur mon Lucian. Mais je suis débile. Oh, si je perds, je m'en voudrais. Normalement, je devrais gagner, mais. Mais si, le Gangplank, il bouffe mon Lucian. Mais je dis de la merde, je suis fatigué. Ouais, je suis fatigué. Je suis fatigué, je suis fatigué. Alors là, par contre, on peut peut-être vendre. Ça, on vend, ça, on vend, ça, on vend pas. Ça, on vend. Ça, on peut vendre. Ok, on passe à 10 gold, c'est cool. Ouais, je suis un peu fatigué, quoi. Ah! Bah ça m'est heureux, ça. Alors, ça, on dégage. Du coup, ça, on met. Il manque qui, là? Il manque... Ça, on peut dégager. Est-ce que j'ai un... Ah bah oui, j'en ai un autre. Ok. Tac. Tac. Alors, là, on fait ça. Et on fait ça. Là, on va se redéployer un peu au middle. Et là, comme ça. T'as vendu Darius pour un bonus impérial. Ouais, mais c'est pas... Ah, ça, c'est chiant. Ah, quoique. Ouais, non, ça va, il loupe. Ah ouais, mais c'est chiant quand même, parce que là... À moins que... Ah, il est noble. Ah bah, ça m'aide, ça. Ah, non. Allô? Ouais. Bon là on est sur 4 Blade Master, il m'en manque un. Bon, il manque Yasuo que j'aurai sans doute jamais, mais bon. Ouais, mais là en fait ça va se voir en fait que vous m'offrez la win. Hein. Là on va pas se mentir, mais c'est grillé quand même. Hein. Bon. Je crois que ça va se voir, les amis, là. Là, Rito, il faut arrêter de faire ça. Je vais me faire griller quand même. J'ai perdu le noble. Mais j'ai un Gangplank rang 2 et je booste mon. Mon Lucie. Ouais, je suis peut-être pas fou. Je sais pas. Ça se discute. Comment Draven peut être noble? En gros, quand t'as 3 nobles, ça donne aléatoirement le noble à une de tes unités. Donc du coup, bah n'importe qui peut être noble, quoi. Alors, là, il me faut de l'AD. Il me faut de l'AD. Il y en a 2 là. Il y a des chances que je l'ai. Si j'ai pas, il me faut de l'attaque speed. Si j'ai pas, il me faut de l'AP pour faire une Guinsoo. Voilà. Voilà. Donc là, je joue attaque speed, AD, AP. Bon, là, je joue plus que AD. Ou spatule, à la limite. Non, prenez pas l'AD, prends pas l'AD, frérot. Ouais, prends la Leona. La Leona, ça te va très bien. Bon, ok, c'est cool. C'est cool. Il va faire top 7. Non, mais là, clairement pas. Là, je pars sur un top 1, limite. Je peux peut-être faire, si je touche mon Draven rang 2, je peux peut-être faire un top 1 sans la moindre défaite. Hein. Alors là, ok, Osef. Ok, donc on a déjà 2 items, on est bien. Est-ce que je partirais pas sur un full roll pour mettre mon deuxième Draven? Ah non, pour mettre ça en fait. Et je vais le laisser derrière, comme ça, voilà. Bon là, on est très 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 bien. Là, on joue la win. Le but, c'est de... Pas perdre la win parce que là à chaque win je gagne 4 gold. C'est pour ça que j'ai claqué toute ma thune. Et là je vais partir sur une économie à base d'économie. Hein. De toute façon là par tour je vais gagner 9 gold si je gagne. Donc bon. Oh ouais, en plus je mets des trucs violents aux ennemis. Hein.
Là, à partir de maintenant, on va juste level up. Hein. Voilà. Ne jamais écho, c'est la nouvelle start. En fait, à haut niveau, donc pas à bas niveau, à bas niveau, vous pouvez jouer un peu comme vous voulez. Mais à haut niveau, vu que tout le monde joue agressif. Oh non, mais frère! Ça va se voir, les gens! Ouais, bah là c'est un perfect hein, que je vais proposer. Hein. En gros, à haut niveau, là il suffit juste qu'au tour d'après il m'offre un Yasuo et que au monstre il me donne une Guinsoo et la game est finie. En gros, à haut niveau, tout le monde joue assez agressif. Et du coup, en gros, tu peux pas te permettre d'économiser. Parce que regarde, lui par exemple, tu vois, il doit être un peu. Il est dans le mal en fait. Tu vois, il est level 5, il a pas beaucoup XP. Bah, il va perdre. Et voilà. Donc en gros, non, tu peux pas jouer le late. Ah bah ça valait le coup de le mettre rang 2 à notre notre Draven. Voilà, bon, il me faudrait quoi? Il me faudrait Imperio et Yasuo. Imperio et Yasuo. Donc ouais. Enlève Garen et met Aatrox. Non, non, Garen il m'apporte noble et il m'apporte noble. Pas fou, mais c'est bien. Tout avoir sans reroll alpha. Ouais, là j'ai beaucoup beaucoup de chance hein, cette game. Même il m'offre des Akali, tu sais. Il m'offre des Akali en mode vas-y, tiens frère, prends. Bon là on va rester comme ça, je vais pas vendre mon chêne. On est bien. On est bien. Si tu fais Imperio, Ghost of le Swain. Bah le Swain on verra. Hein. Bon là il y a une Katarina, mais Katarina c'est le pire des Imperios, du coup je vais même pas la prendre. Deny Akali. Ouais, à la limite, ça c'est intéressant de deny en vrai. Ça va se voir, les gars. Vraiment, arrêtez, ça va se voir. Après, je peux pas encore le poser, mais. Mais bon. Alors, démon élémentaliste, on s'en fout. Alors là, le seul truc qu'il me faut, c'est Blade Master. C'est Yasuo. On va vendre ça, on va garder la Kali, c'est vrai qu'on peut la deny. Au pire, ouais, non, on peut juste la deny. Alors, Yordle! Oh, Yordle, là le gars il dit bon, j'ai enfin mes 6 Yordle, je vais tout dodge. Et là, il voit une compo à base d'un AD qui a l'item impossible à dodge. Et là, du coup, dans sa tête, il est là en mode eh merde. Que la compo Yordle qu'il a, elle est vraiment forte, hein, mais le problème c'est que quand tu joues contre un Draven qui a mon stuff, bah tu pleures. Et là du coup il est là en mode what the fuck man, I play vs my counter, il peut rien faire. Hein. Alors Fioran va prendre, on sait jamais, hein. Peut-être qu'on peut monter un peu tous nos gars en 3, ça serait bien. On va continuer d'économiser, on est sur 11 wins de suite. Là en vrai je vois pas trop comment je pourrais perdre sauf si je joue contre une Akali qui me one shot mon petit père là. Ça j'ai pas envie de claquer mon item hein, parce que là si je vais attendre le carrousel. Bon même si je pense que je le mettrais sur Aatrox en vrai. Ah bah tiens en parlant du loup. Ah non. Bon après après le truc c'est que j'ai de la patrouille de France tu vois, genre ok tu m'as tué mon Draven mais j'ai la patrouille hein. Et encore mon Draven il était noble hein, donc bon voilà on continue d'économiser hein. Ça on peut l'acheter à la limite. Là on refait notre économie hein, et le but ça va être d'aller chercher l'XP pour le futur level up.
Même si là en vrai j'ai Garen et Lucian à vendre. Pas les garder hein, Garen et Lucian. Que ça, c'est pas de problème, il est level 5, je suis level 7, c'est une free victoire. Oh le pauvre. Oh le pauvre, il se prend un moins. Je peux peut-être 22. Oh le pauvre. T'imagines, tu fais ta game tranquille et tout, et là tu tombes sur un gars level 7, Darius 2 items, level 2. Aïe aïe aïe. Je pense que je vais mettre mon Darius à la place de lui. En vrai. J'ai une chance sur deux de l'avoir en impériaux. Voilà, il me faudrait un item attack speed. Il y a des chances que je l'ai en vrai. Si je l'ai pas, il me faudrait quoi? À la limite, je peux mettre une Warmog en vrai sur mon Darius. Pour qu'il soit tanky. Qu'il soit limite intuable, c'est peut-être mieux. Ça, c'est un peu moins beau jeu, mais... Ou sinon, je prends de l'AD pour booster l'attack speed de toute sa ligne. Je vais... Ah merde! Ah j'ai troll en fait. Pourquoi j'ai acheté ça? Est-ce que je perds le nop pour... Ouais si c'est peut-être worse. Infinity Edge sur Draven non. Ouais je pourrais à la limite mais je vais attendre. En vrai là j'ai encore des chances de full win jusqu'à là. Du coup je vais attendre. C'est mon Draven qui a les bonus x2. On va pas quand même chercher le Draven rang 3? Si. Ok. Le Draven rang 3, allez, on va chercher le beau jeu. La limite, je pourrais mettre ça sur moi, Atrox. On va, ouais. Sur mon Aatrox, c'est un bon item. Aatrox il fait beaucoup de dégâts. Oula. Ça va être compliqué cette game en fait. Oh non. Bah non. Ah ouais bah... Ouais il a été stun à peu près 52 secondes. Tout ça sur quoi? Sur une arrow? Non même pas, il s'est pas pris l'arrow, il s'est pris juste à Nivea. Ah, glacial, c'est vraiment l'amusement, hein. C'est vraiment genre... Ah, tu sens les mécaniques de glacial, quoi. Bon, là, faut que je fasse gaffe de pas trop roll, quand même. Faut que j'XP, il faut que j'arrive au level 8 pour avoir plus de chances de toucher une unité level 5. Voilà, bon, il me faudrait un item attack speed. Ulti Shogat plus Seju. Après, je suis quand même très bien dans la game. Hein. J'ai encore 50 gold, j'ai une très bonne compo qui scale. Et il faut juste mon dernier Blade Master et il faut que je pose mon dernier item. À la limite, je peux mettre double BT, mais ça ferait pas un peu beaucoup. Double BT les amis. Double BT ça régène de fou hein.
Ou alors j'attends encore le carrousel. Mais là, il faudrait que je prenne une décision parce que là, je perds des items et c'est un peu con. Et j'ai eu de la chance de le one-shot. WTBT, c'est bien Imo. Ouais, c'est bien. Là, il me faut vraiment Swain et Yasuo. J'ai Swain et Yasuo, j'ai gagné. Bon, après, je suis encore bien en économie, hein. J'ai perdu une seule game. Je suis très bien en HP. Vraiment très low, donc j'ai le droit de faire 4-5 défaites. Ok, ça me va. Du coup, on va Pex. Hop. Me fait un sacré up là. Ça me fait un petit up, les amis. Oh, mais yo. Ok, un jour. Okay. En vrai, j'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être dû garder mon Darius et le mettre à la place de mon Garen et de viser les 4 impériaux. Hein. Ouais, je me fais enculer. Bon, je me suis fait enculer. Hein? Ah, c'est Varus? Ah, c'est Varus sorcier qui m'a enculé. Ok. Attends, mais comment j'ai perdu contre lui? Asap? Une arrow de Varus? Ah, d'accord. Yes. Bon, après, ça c'est. Ouais. La réussite. On va attendre le carrousel et après le carrousel, on va prendre une décision. Ok, on peut avoir les 4 impériaux. Faudrait que je vende lui. Faudrait que j'ai 64. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller chercher les 64? Ça, on peut vendre. 40 gold. Bouge ta compo. Non, ça va. On va pas jouer deux fois contre le même quand même. Mon carrousel, il me faudra vraiment un item. Elle va se faire stun? Non, non, non. Ok. Ok, il me faut un item attack speed. Bon, à la limite, je fais une IE, mais je pense que item attack speed, c'est mieux. Je pense que item attack speed, c'est mieux. Item attack speed, je pense que c'est mieux. Une Guinzo, c'est vraiment god tier parce que il met quand même beaucoup d'auto-attaque, hein, Jean-Claude. IE sur Draven et c'est bon. Non, non, clairement de l'attaque speed c'est mieux. IE, genre bon. C'est fort, mais c'est pas ce qu'il me faut. Alors 55. Ok. Kinzo, vous vous rendez pas compte, hein. Ça, on va le mettre sur qui? Sur lui, je pense. Ouais, Aatrox, c'est une bonne source de dégâts. Ah, tu me la fais pas deux fois ta flèche qui me one shot, petite. Hein? Ouais. Bon. Là, de toute façon, ce qui me reste à up, c'est. C'est juste. Ouais.
On va prendre le temps, hein. Il y a le round PvE juste après et on a 53 HP, donc bon. Là, le but c'est vraiment de faire top 1, donc on a tout notre temps. Je pense qu'on gagne contre les deux là, mais on n'a pas envie de claquer toute notre thune maintenant. Là, on peut économiser, on peut gagner 10 gold, etc. sur 2 tours. Donc ça sert à rien de se presser. Et voilà. Ils sont les 4 Draven restants. Alors lui, il va me hook lui, au Kaosef. Faire gaffe à pas me faire geler mon Dravan. Ouais, Ginzo sur lui, c'est bien. Hein. Là, tu regardes la vitesse d'attaque, ça va vite. Hein. Bon, je perds. Ah, faut faire gaffe parce que je suis quand même qu'à 30 HP. Hein. Et là, ça va, c'est le round PvE. On a un item qui silence. On va le mettre sur qui? On va le mettre sur Aatrox. Ouais. Jamais il gère la compo glaciale, Susu. Après, en fait, le problème c'est que je focus lui, et... mais bon. Et je pense que je la gère en vrai. De toute façon, quand lui il aura les dégâts doublés, ça va piquer. Hein. À prochain tour, je vais encore avoir un gros up de ma compo, et après, je vais essayer d'up si je touche un chêne. Ou alors peut-être je le mets sur Yasuo, je sais pas. Lui qui allait. Oula. J'ai eu peur. En vrai, j'ai eu peur de l'autre con là. Ça se rapproche, hein. Ça se rapproche. Bon, lui, on peut l'éliminer. Ouais, normalement, on devrait l'éliminer. À moins que on se prenne une flèche de Varus. Non, ça va. Pas de flèche de Varus, c'est bon. Ok, on va jouer la finale. Voilà, faut juste prier pour que je me fasse pas geler. Hein. Ça fait beaucoup quand même là. Dis-moi pas que c'est pas vrai. On s'approche quand même dangereusement de d'un point de non-retour en vrai. Hein. Et il a mis Nakali, est-ce que j'ai besoin de bouger? J'ai envie qu'il me boucle lui. Ok.
Que je prenne de la mana. Ah, j'aurais pas le temps. Ah, j'ai troll. Même pas à qui j'ai eu. Ouais, j'ai eu lui. Ouais, c'est pas fou en vrai. C'est pas ça que je voulais. Ah, je pense que j'aurais pas le temps d'aller chercher Draven. Faut que je vende soit l'un, soit l'autre. De toute façon, je suis quoi, 17 HP, je pense pas que je meurs. Débile les compos glaciales, Rito quoi. Ouais, bah c'est un peu fort. Bon, là, je pense qu'on va reperdre. Alors, en fait, faut que j'écarte mon Draven. Ouais, il se prend tous les stuns du jeu. Ah, je suis mort. Ouais, je suis mort. Ah, c'est débile, glacial, genre. En fait. Le seul truc qui manque à ce jeu, vraiment, c'est de pouvoir faire une QSS en fait. Parce que t'as rien contre les contrôles. T'as des trucs contre les critiques, t'as des trucs contre les dégâts magiques. Mais juste contre les contrôles, tu peux rien faire, tu vois. Et genre là, bah, je me prends. Après, j'aurais pu le split, mais bon, contre un Blitz, même pas. Ouais, si j'aurais dû split. L'IE QQ, ça aurait rien changé, l'IE. Genre, j'aurais tapé deux fois moins vite et bon. C'est un gameplay qui manque. Ouais. Le Draven en plein milieu. De toute façon, je suis obligé de le mettre en plein milieu, sinon je vais me faire hook. Donc bon, parce que j'ai aucune unité qui peut taper de loin et tout. Donc en vrai... Ouais. Dommage. Il fallait juste foutre le Draven sur le côté. Allez, toi t'es ban parce que t'es con. Hop. J'avoue que je vais le mettre sur un côté contre un Draven. Yes, contre un Blitz. Ah, le chat, c'est pas votre force intelligence, hein. Genre, bon. Bon, tant pis. Après, au final, c'était une bonne game, mais voilà. Dans le jeu, il y a des counters et bah, tu peux pas faire grand chose. Le seul truc que j'aurais pu sans doute faire, c'était peut-être du disarm, mais encore, même pas. Si, j'en avais sur le Aatrox. Mais bon. Tu aurais placé ton Draven à gauche et ton Yasuo à droite, tu aurais pu tenter un 50-50, non? Je sais pas. Sur le papier, oui, mais en vrai... En vrai, ça aurait été compliqué. Bref, abonnez-vous, des bisous et ciao, bye.